Sound of Freedom est une expérience cinématographique, perturbante, innovante et qui s'inscrira sans nul doute dans le mouvement mondial destiné à mettre en lumière le trafic de mineurs. Nous allons étudier ensemble ce qui a créé cette polémique pour la diffusion en France. Bonjour tout le monde, me voici avec vous pour une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet d'actualité. J'avais envie de diversifier les sujets qui seraient enquêté sur ma chaîne et je vous propose de commencer ainsi avec le film Sound of Freedom qui est interdit en diffusion en France alors qu'il fait un carton dans tous les pays du monde. Je vous ai présenté en vidéo d'introduction rapidement le sujet de ce film et nous allons voir donc avec le jeu de haut ce que on peut essayer d'apprendre comme information sur ce qui pourrait gêner la France, en tout cas les personnes qui choisissent les films diffusables ou non. Alors c'est vrai qu'on voit des films sortir qui traitent de prostitution infantile. J'ose utiliser le mot parce que il faut savoir appeler un chat aussi, et je ne comprends pas que certains mots comme ceux-ci puissent être bannis dans la mesure où on fait de la prévention et où c'est un phénomène très répandu, dégoûtant et rondement mené par des gens très haut placés. Je vous invite vraiment à suivre Carl Zéro pour les personnes que ça intéresse. Carl Zéro qui reprend beaucoup les sujets qui ont trait à ce genre de criminalité sur des enfants. Alors, on va essayer aujourd'hui d'y voir un peu plus clair. C'est un tirage qui va être rapide sur des motifs. Pourquoi on nous interdit cette diffusion ? La réalité peut être autre chose que ce qu'on imagine. Donc, je vais essayer d'y voir plus clair avec vous et je vous propose de commencer maintenant avec une série de cartes. Celle-ci, elle vient de se retourner. Carte pour rire. Pourquoi Sound of Freedom est interdit à la diffusion dans notre pays ? C'est marrant parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé, pourtant, là je vais me faire striker c'est sûr, mais de certains hommes politiques très bien placés en France qui s'occupaient beaucoup de culture et qui aimaient bien les enfants. Beaucoup trop. Alors, attendre. Je pense que de toute façon, vous avez vu, si vous avez Twitter, il va être diffusé gratuitement pour le monde entier à la volonté d'Elon Musk, a priori. Donc, tant mieux. Il faut faire de la prévention et on nous interdit les films. Alors, moi, je comprends pas trop. Parfois, c'est un peu antinomique. Très contradictoire. Esclave. Bon, c'est pas très beau. Et merveilleux. Alors on sait que ça arrange beaucoup de monde, hein, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, ce commerce illégal d'enfants, et c'est vrai que quand on nous interdit toute communication visiblement là-dessus, on peut se poser quelques questions. Hein, à qui profite le crime ? Il faut toujours essayer de se demander à qui profite le crime. Crime aussi de ne pas vouloir diffuser un film intéressant, quoi. Je me comprends quand je dis crime, hein. Mais il faut chercher la raison à qui ça profite. La lassitude. J'espère que, avec tout ce qui sort comme scandale aujourd'hui, on va arriver enfin à avoir un peu plus de lumière sur ces sujets. C'est pas qu'il n'y a pas d'informations, c'est qu'elles ne sont pas diffusées. Ça n'intéresse pas certaines presses s'accrocher.
Et ça n'intéresse pas du tout. Je pense que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on doit savoir, nous, en tant que public. On nous en parle. Puis quand des journalistes comme Carzéro essayent de faire vraiment un travail indépendant, ben, il est obligé de tout financer lui-même. Il a des menaces. Enfin, le chagrin. Et une dernière carte. Le cycle. Alors, on va compléter donc avec le jeu qui est fourni avec le jeu de haut. Et puis après, je vous propose qu'on regarde au niveau peut-être quand même de la voix des âmes, parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'âme là-dedans. Est-ce qu'on a une âme vraiment sombre et on tolère de continuer cette... J'arrive pas vraiment à utiliser les bons mots, je pense, mais c'est tellement ignoble. J'ai tellement de peine pour ces enfants et je comprends pas que aujourd'hui on trouve des enfants dans des camions. J'ai pas la source exacte, hein, je me rappelle plus quel journal a publié ça sur Twitter, mais c'est vraiment une source officielle d'un trafic d'enfants, quoi. Et on parle pas d'enfants qui auraient été enlevés dans un pays étranger ou je ne sais quoi. Hein. Là, c'était vraiment sur le territoire, quoi. Donc, c'est vraiment choquant. Il y a une organisation mondiale à travers ça qui est sans scrupules, sans vergogne et sans âme, quoi. Alors, ici, pour pourrir, on a la situation de l'âne qui porte une charge sur son dos. Donc, cette charge ici, on nous apprend peut-être que si le film était sorti, il y aurait eu des charges contre des gens. Ça aurait pu avoir des répercussions lourdes. Et puis l'âne, c'est vraiment l'animal de travail ici. Hein. Donc, on voit que ça aurait eu des répercussions potentiellement sur quelqu'un qui a des responsabilités. Attendre. Et j'ai la carte du poteau auquel est attaché un fil. Pour moi, ici, on nous dit qu'en fait, si ce film était vraiment diffusé en l'état aujourd'hui, il y aurait vraiment des répercussions au niveau de la liberté. Donc, ils auraient peur, en fait, de ne plus être libres et de se retrouver attachés, pieds et poings liés, face à des informations, peut-être, qui les déroutent, qui les dépassent ou qui les dénoncent. Allitération. Alors ici, pour la carte de l'esclave, je vois la carte de l'oiseau qui s'envole. Donc, effectivement, on est vraiment dans la situation de liberté, ici. Si on savait trop de choses, la liberté pour eux, eh ben, elle s'effondrerait. Il n'y en aurait plus. Sur la carte de merveilleux, j'ai la carte de la trahison qui ressort. Du couteau dans le dos. Donc, pour eux, ce film-là représente vraiment quelque chose de l'ordre de la trahison. Potentiellement, des personnes qui auraient pu réaliser ce film auraient connu ces gens, peut-être au préalable. Je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ils vivent ça comme une trahison. La lassitude, je souris parce que voilà quoi, le parent et l'enfant tout petit, pour eux vraiment c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors il y a une lassitude peut-être aussi du public, hein, d'entendre toujours parler de faits divers qui concernent des tout petits et des adultes. Et moi je pense aussi qu'on voit là-dedans que ça les ennuie en fait, que toute cette situation auquel ils sont confrontés de dénonciation commence vraiment à les énerver. Et là on voit au niveau de la carte s'accrocher qu'on a une notion de temps. Donc ils essayent de repousser l'échéance, ils s'accrochent à tout ce qu'ils ont en espérant de retarder au maximum les informations qui nous seront communiquées ou non. Ici. Alors, sur la carte du chagrin, on va voir qui est-ce qui ressort par rapport à ce chagrin, si c'est vraiment les enfants, si c'est les personnes qui refusent que le film ne sorte dans notre pays. Alors, pour moi, le chagrin est lié, voilà, à quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui va prendre un moyen de transport. Donc, en plus, on voit que c'est un transport public avec d'autres personnes. Le chagrin ici pourrait être représenté par des enfants qui sont emmenés, qui sont emmenés dans des circonstances dégoûtantes, encore une fois. Hein. Et peut-être que ce jeu veut nous dire que justement, on nous préserve, entre guillemets, de cette réalité dégoûtante parce que ça serait trop compliqué, trop dur. Et ici, le chagrin appartient à ces enfants, bien évidemment. Je vais quand même voir si je peux le recouvrir pour avoir plus de précision sur
Bon, bah écoutez. La chambre à coucher. Donc le chagrin dont ils ont vraiment conscience. Hein, ils ne veulent pas que ça se sache. Ils n'ont pas besoin qu'on soit au courant de certaines choses. Au niveau du cycle, alors déjà la carte du cycle en elle-même m'inspire beaucoup puisque nous savons que tout ça est une organisation bien huilée et peut-être que nous arriverions à la fin d'un cycle avec un peu de chance. Ou est-ce que c'est le renouvellement ou est-ce que c'est un nouveau cycle malheureusement avec les affaires comme, comme Lola ou autre. Donc sur la carte du cycle, j'ai une personne qui est stationnée à l'arrêt avec une personne qui semble, en fait, qui ne conduise pas visiblement. Vous voyez, lui, il est en train de se reposer plus. Ce qu'on peut nous dire ici, c'est que pour le moment, ils sont ennuyés dans ces affaires. Hein. On nous en parle trop. Le cycle, pour eux, est en pause. Donc, ce film met un coup de pied dans la fourmilière. Hein. Et puis, il fait un carton dans le monde entier et sur les réseaux, tout le monde en parle. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie, un vrai intérêt et une vraie question qui se pose pour les gens. Oh là là. Voilà, donc écoutez, c'est le diable, hein, c'est le démon. Donc on est vraiment dans un cycle démoniaque qui se met en pause et qui a semé autour de lui beaucoup de choses très sombres, très très sombres. Je vais replier ce jeu et je vais utiliser maintenant l'oracle de la, le tarot pardon de la lumière pour compléter. Alors le tarot de la lumière. C'est vrai que ça me noue encore une fois la gorge, hein. J'espère que vous arrivez à m'entendre. C'est ahurissant. Le monde dans lequel on vit parfois semble vraiment incompréhensible. À mon échelle en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le motif qui empêche la diffusion de ce film en France? Qui est-ce que ça dérange? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au global? Pourquoi ce refus? Cette carte est sortie. Je vais faire un tirage en croix, pardon. Donc là, on a plutôt les événements positifs. Là, ce qui va être bloquant. Ici, nous aurons la synthèse. Et ici, nous aurons un conseil. Alors, c'est parti. J'espère que cette fois-ci, ça sera un peu plus précis. Je le fais qu'en 4 cartes et puis je le ferai en 5 après si besoin. Là, c'est pas du tout ce qui est indiqué pour ceux qui ont ce jeu. Là, je le fais avec mon ressenti comme ça. Je le sentais comme ça. Donc, nous avons ici l'as de coupe, le 10 de coupe, l'empereur et le diable. D'accord. Bon. Alors, c'est intéressant puisque nous avons donc déjà deux cartes qui appartiennent à la coupe, donc à l'émotionnel et au relationnel. Donc ici, pour ce qui est de l'as, l'as qui arrive à l'endroit, ça a son importance, comme vous le savez, dans mon jeu. Donc ici, nous, on nous parle en positif de bonnes intentions. On nous parle d'émotions fortes. On nous parle vraiment de quelque chose de renouveau. Vous voyez, il y a le poisson qui est dessiné ici. Pour les catholiques, je crois que ça a une signification particulière d'abondance. Il y a un véritable éveil spirituel, on le voit, hein, avec la représentation de l'œil. Donc, pour nous, la chance qu'on a avec nous, c'est cet éveil spirituel qui nous invite à réfléchir par nous-mêmes et non plus avec ce qu'on nous impose. Donc, ce film-là aurait pu et aurait dû nous intéresser. En faiblesse, nous avons donc le 10 de coupe qui indique ici plutôt... alors, ça va être un manque d'harmonie. Ça peut être des querelles aussi autour de la famille. Donc, on parle toujours des enfants qui sont représentés dans ce film. Et ce qui arrive en faiblesse et pourquoi on ne veut pas nous le diffuser, ça serait vraiment pour ne pas créer des manques d'harmonie, des grosses discordes autour de ça.
Ici, nous avons la carte de l'empereur qui arrive. Et cette carte, je ne sais pas si vous l'avez bien vue, on a un bouc ici, un bouc noir, vous voyez, qui semble avoir derrière lui comme un gourdin, qui est par-dessus le soleil et qui est orné comme ça d'une couronne. Alors, du laurier ou autre. Donc là, pour moi, l'empereur. Il va nous dire ici tout simplement que ces personnes-là sont autoritaires. Ça va représenter l'autorité. Et donc, on nous indique ici que c'est la discipline et la rigueur qui veut prendre le dessus. C'est-à-dire que ça assoit leur pouvoir aussi, hein. Donc, on est vraiment dans la protection d'un pouvoir établi. C'est pour ça qu'on ne veut pas nous le montrer. Et enfin, nous avons le diable. Donc, le diable qui, lui, arrive à l'envers. Ici, on parlerait plutôt. Alors, le diable, c'est vrai que ça peut paraître une carte toujours très, très négative. Ici, on nous parle plutôt, au contraire, d'une libération et de la fin de certains excès, puisqu'elle est à l'envers, donc c'est positif. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est qu'ils ne vont pas avoir le choix. Certainement, le film devrait être diffusé. En tout cas, il va falloir qu'ils s'expliquent du pourquoi du comment. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le film Sound of Freedom. Je vous rappelle visiblement que ce film sera disponible sur certaines plateformes. Je vous invite tous à le regarder si vous en avez envie parce que je pense qu'il est très. Vu les critiques en tout cas que j'ai lues de multiples sources différentes, il vaut le coup d'être vu. Donc je vais essayer moi de le trouver et si ça vous intéresse, je pourrais essayer de partager le lien quelque part sur mes réseaux. Je vous souhaite une très bonne journée. Je reviens très vite avec une enquête qui aura lieu, qui traitera d'un cold case, d'un fait divers qui m'intéresse beaucoup. Alors j'en ai deux qui me viennent en tête comme ça, mais je pense aujourd'hui, après avoir publié sur l'affaire du petit Grégory, et puis l'affaire d'Émile également, je vais peut-être un peu abandonner pour le moment les cas qui concernent des enfants. Et me recentrer sur une personne qui a disparu et qui n'a pas laissé de traces. Je vous invite à essayer de deviner qui c'est. Donc, je vais vous donner quelques petits indices. Les indices que je peux vous donner seront disponibles sur mon Instagram. Et oui, j'essaye de pouvoir avoir aussi des chaînes sur mes réseaux sociaux parce que je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger avec vous. Donc je compte vous proposer peut-être des sondages et différentes sortes de conversations interactives sur mon Instagram. Je vais le mettre tout de suite en barre d'infos. Avant d'oublier, je vous mettrai aussi mon TikTok et mon Facebook éventuellement si ça vous intéresse. Voilà, trêve de blabla, je vous publie la vidéo et je vais sur mon Instagram de ce pas vous communiquer des indices pour que vous puissiez participer à ce petit jeu de la semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.